Bonjour, je suis Pascal du site instinctguitare.com et dans cette vidéo, nous allons parler d'une méthode pour développer votre tempo intérieur. Alors ce que j'appelle le tempo intérieur, c'est la perception que l'on a du tempo, la régularité de notre rythme mental en quelque sorte. Alors très souvent lorsqu'on parle de tempo, on utilise un métronome puisque ça nous permet d'avoir une référence fiable au niveau de la régularité des temps. Et c'est très important de travailler régulièrement au métronome pour justement habituer votre cerveau à percevoir un tempo régulier et donc à vous habituer à jouer sur votre instrument de manière régulière. Mais le problème si on utilise le métronome à chaque fois, c'est qu'on en devient un peu dépendant, c'est-à-dire que c'est le métronome qui représente notre référence temporelle. Mais par la suite, lorsqu'on va jouer sans métronome, le risque est de ne plus parvenir à jouer de manière régulière puisqu'on n'a plus de repères auditifs. A l'inverse, si on ne travaille pas avec un métronome, c'est positif dans le sens où on va s'habituer à travailler uniquement avec notre tempo interne, donc en se basant sur notre rythme mental en quelque sorte. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'aura aucun moyen de vérifier si ce tempo et ce rythme interne est régulier, puisqu'on n'aura aucune référence pour pouvoir comparer. La solution va donc consister à alterner entre le métronome et du silence pour pouvoir se caler sur un tempo régulier et avoir une référence fiable, en l'occurrence le métronome, puis avoir des moments de silence où on va tenter de se concentrer sur notre tempo intérieur et ensuite repartir sur le métronome pour vérifier si on a bien maintenu la régularité du tempo. Alors c'est un exercice qui est très connu et très utilisé par les batteurs, mais beaucoup moins souvent par les autres musiciens, alors que c'est pourtant très important pour n'importe quel instrument, y compris pour les chanteurs. Donc dans un premier temps, l'idée va être de jouer quelque chose d'assez simple, ça peut être une rythmique ou une petite mélodie ou un riff. Ce qui est important par contre, c'est de jouer quelque chose que vous maîtrisez déjà. S'il y a des hésitations ou des difficultés techniques, vous risquez de perdre du temps et de ralentir, et ce ne sera pas à cause d'un problème de perception du tempo, mais à cause d'un problème technique spécifique. Donc l'exercice ne sera utile vraiment que si vous jouez sur quelque chose que vous maîtrisez. Pour autant, il n'est pas utile d'avoir quelque chose de compliqué, on peut partir sur un simple accord et jouer un rythme très simple qui se répète toutes les mesures, par exemple. Donc la première étape va d'abord consister à jouer ce rythme avec le métronome. Donc une fois que vous êtes calé sur le tempo, que vous commencez à avoir une bonne perception de ce tempo, ce que l'on va essayer de faire, c'est de jouer trois mesures avec le métronome, et sur la quatrième, couper le métronome pour avoir donc du silence, continuer à jouer en essayant de maintenir ce tempo dans sa tête, puis le métronome va recommencer sur la mesure suivante, et on va pouvoir vérifier si on a bien maintenu le tempo. Alors ici, je suis à peu près tombé sur le temps, c'était pas trop mal. Par contre, si je m'aperçois que je recommence la rythmique sur la mesure suivante avant le clic, avant le retour du clic, ça signifie que j'aurai accéléré en cours de route. Et donc, il va falloir que je me retienne d'accélérer, donc que j'essaye éventuellement de jouer un peu plus lentement, avec le risque de sombrer dans l'excès inverse. Et à l'inverse, donc justement, si je m'aperçois que je rejoue la rythmique après le retour du clic, ça veut dire que j'aurai ralenti pendant le silence, et donc il faudra que j'en tienne compte sur le tour suivant, en essayant de maintenir le tempo et de ne pas ralentir. Donc il va falloir tâtonner un peu, et essayer de percevoir si vous avez tendance plutôt à accélérer ou plutôt à ralentir, sachant que ce ne sera pas toujours dans le même sens. Selon ce que vous jouez et selon le tempo auquel vous le jouez, vous aurez peut-être parfois tendance à jouer trop vite ou parfois à jouer trop lentement. Et le fait de percevoir si vous avez plutôt tendance à accélérer ou plutôt à ralentir va vous permettre de corriger petit à petit cette dérive du tempo et de percevoir de manière plus précise si votre tempo reste régulier lorsque vous n'utilisez plus le métronome. Une fois que vous serez à l'aise sur cet exercice, l'étape suivante va consister à augmenter la durée du silence. Par exemple ici, on avait 3 mesures de métronome et 1 mesure de silence. On peut remplacer ça par 2 mesures de métronome et 2 mesures de silence. Alors évidemment, augmenter la durée du silence va compliquer les choses, puisqu'il y aura plus de temps pendant lequel il faudra chercher à maintenir le tempo avant d'avoir le retour du métronome qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer la précision de notre tempo. Et ça dépendra évidemment aussi du tempo lui-même. Si vous jouez un tempo de 60 battements par minute
et que vous avez deux mesures de silence, c'est-à-dire 8 ans, ça représentera 8 secondes de silence. Et donc pendant 8 secondes, il faudra parvenir à maintenir le tempo. A l'inverse, si vous jouez sur un tempo de 120 battements par minute, donc un tempo deux fois plus rapide, la durée du silence ne sera que de 4 secondes, donc il sera plus facile de retomber sur ses pattes. Donc essayons à présent de jouer avec deux mesures de clic et deux mesures de silence. Alors ici, c'était pas trop mal, je suis à peu près retombé sur le clic lorsqu'il a redémarré. Donc on va essayer une étape encore plus complexe, on va augmenter la durée du silence. Donc cette fois, on va passer sur deux mesures de clic, suivies de quatre mesures de silence. Alors là, j'ai terminé un peu en avance, ça signifie que pendant les 4 mesures, j'ai dû accélérer légèrement. Donc je vais essayer de refaire la même chose, mais cette fois en essayant de me retenir un peu, en maintenant un tempo un peu plus lent. Ici, j'étais un peu en retard lorsque le clic est revenu. Ça signifie que je suis tombé dans le piège inverse, j'ai eu tendance à ralentir de peur de trop accélérer. Donc je vais recommencer encore une fois en espérant que cette fois j'arrive à trouver le bon compromis. Cette fois, c'était pas si mal, donc ça veut dire que j'ai réussi à trouver le bon compromis entre la tendance naturelle que j'avais à accélérer et la tendance artificielle que j'ai eue ensuite à vouloir trop ralentir. Comme je le disais, ici, l'idée est de tâtonner un peu et de se concentrer sur notre perception du tempo et la comparer avec le résultat pour déterminer si on a tendance plutôt à accélérer ou à ralentir. Alors, dans le choix de ce que vous allez jouer pour faire cet exercice, il est également important de prendre un rythme ou une mélodie ou un riff ou un gimmick ou n'importe quoi, mais qui est un débit rythmique assez rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous jouez uniquement sur les temps, il sera beaucoup plus difficile de suivre un tempo régulier que si vous jouez un rythme un peu plus décomposé. La raison à ça, c'est que en ayant un débit rythmique plus rapide, vous aurez plus de repères de temps et il sera plus facile de maintenir un tempo régulier, même si vous ne l'entendez pas sur le métronome. C'est un peu le même principe que si vous cherchiez à calculer une minute. Si vous dites « à partir de maintenant, ma minute commence », et puis un peu plus tard, vous essayez de deviner quand la minute est terminée et vous dites « ah, ça doit être à peu près maintenant », mais il y a de fortes chances que vous soyez loin du compte. Vous serez peut-être à 40 secondes ou peut-être à 1 minute 20. Alors que si vous cherchez à compter les secondes et à partir du début de votre minute à compter vraiment les 60 secondes, il est fort probable que vous accélériez ou que vous ralentissiez et que vos secondes soient un peu trop courtes ou un peu trop longues. Mais au final, il y a beaucoup plus de chances que la minute soit proche de la vérité que si vous n'aviez pas décomposé cette minute en 60 secondes. Et donc, pour le rythme, c'est exactement le même principe. Plus vous aurez de divisions rythmiques, plus il sera facile de maintenir un tempo régulier. Alors ce que j'ai joué dans cette vidéo pour la démonstration n'a pas grande importance, c'était improvisé, c'était simplement pour vous faire la démonstration de la méthode, donc il n'y aura pas de partition à télécharger, mais par contre vous allez pouvoir télécharger en MP3 le fameux métronome à plusieurs tempos différents, et sur les trois variantes dont nous avons parlé, en ayant d'abord trois mesures de clic plus une mesure de silence, ou alors deux mesures de clic, deux mesures de silence, ou alors deux mesures de clic et quatre mesures de silence. Et vous aurez ça sur plusieurs minutes, de manière à pouvoir vous entraîner sans être obligé de relancer le métronome à chaque fois. Alors comme d'habitude, pour télécharger les MP3, rendez-vous sur instinctguitar.com juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Instinct Guitar.